drowns in liquid gold. Cherish his life to the underworld. Meet me flashing when the winter cries. I says, western, through the river, all the life of the stream. Searching for hope to catch on and see their sunbeam. Then suffocate in painful cha-cha on counter tables of Cosman. On the life of Austin Butcher, Hebbles of Wet to Wet. Bonjour à tous, tous ceux qui s'expriment en langue française, tout simplement. J'ai une nouvelle à vous apprendre, c'est que ce n'est pas d'hier que il y a la guerre. Ben, la guerre, tu sais, oui, mais pas visible en ce sens que il n'y a pas de canon et il n'y a pas de bombes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre entre l'élite et la population générale. Là, tout d'un coup, depuis environ un an, on s'imagine que c'est nouveau. C'est loin d'être nouveau. On n'a pas besoin de reculer loin. Mais en réalité, mieux que ça, c'est que si tu prends vraiment le temps et que tu as la patience, puis que tu as la sagesse et l'intelligence d'étudier l'histoire de l'humanité, en fait, c'est exactement ça l'histoire de l'humanité. C'est vraiment le combat. En fait, pour être plus précis, c'est l'élite qui cible la population générale, en termes simples. Et je peux vous donner un exemple qui va être clair pour plusieurs d'entre nous. Ce sont les fameuses guerres mondiales. La première, la seconde. Ces fameuses guerres mondiales-là, qui est-ce qui sont envoyés au combat? Est-ce que c'est l'élite ou est-ce que c'est les enfants de l'élite? Hein? Ou bien c'est la population générale? La réponse est facile à faire. Et finalement, ces guerres mondiales-là, en tout cas la seconde, je pense. T'sais, on parlait qu'un. Je vais aller plus simple que ça. Hiroshima. Hein? La fameuse bombe qui a été droppée à Hiroshima sur des civils. Notre problème, nous les humains, là, je vais te le dire, c'est quoi notre problème? C'est très simple. On n'est pas concernés tant que ça ne nous touche pas. Je ne te dis pas que tout le monde pense comme ça, mais la généralité des gens pense comme ça. Alors, c'était au Vietnam, alors ça ne nous touchait pas. Hein? C'est ça. Je comprends qu'on ne peut pas être étalé partout. OK? Ça, j'ai aucun problème avec ça. On ne peut pas concentrer notre attention. On ne peut pas être le citoyen de toutes les nations. Là, hein? C'est sûr. Comme de la même façon qu'on ne peut pas être 50 sexes. OK?
On est incarné dans ce corps-ci, puis on habite un certain endroit, tu sais, je veux dire. Mais il y a des cas qui sont très clairs qu'il y a eu abus des êtres humains. Et je parlais de la bombe d'Hiroshima. Hein? C'est très facile à voir. Bon, mais c'est ça, c'est que... Tu sais, il faut faire l'équilibre entre... OK, ça m'amène à dire ceci. D'ailleurs, c'est pas un mon message. J'ai pas de téléprompteur. Et je n'écris pas mes messages parce que je veux rester spontané. C'est une des raisons, en fait. Pas la seule raison, mais une des raisons, c'est que je veux être spontané. Je veux délivrer un message spontané et non un message tout encadré. Je m'encorde assez comme ça, personnellement. Faut faire la différence entre être complètement dissipé, puis en fin de compte, oui, nous sommes citoyens de la planète, mais c'est un petit peu plus précis que ça. Hein? On vit dans un corps, puis on vit... Ouais. C'est parce que c'est sûr que d'être dissipé, ça n'amènerait pas une efficacité, d'une part. Mais d'autre part, se crisser des autres ou se ficher des autres, parce que ce qu'ils vivent ne nous concerne pas. C'est ça, il faut faire une balance entre les deux. Il faut viser, c'est souvent ça, là. Le problème de l'humanité, c'est que on va soit tout d'un bord ou tout de l'autre. C'est le retour de la pendule. C'est souvent ça le problème. T'sais. Par exemple, dans une société patriarcale, hein, c'était d'un bord, la pendule était d'un côté, puis là, on se ramasse dans une société où est-ce que il y a certaines femmes qui voudraient promouvoir le matriarcat, ok, ça c'est l'autre côté, c'est souvent le cas, on est la nature humaine, souvent n'est pas balancée, c'est ça le problème, il faut être balancé, il faut comprendre d'une façon plus profonde les problèmes que nous confrontons. Donc, le fait que c'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité que la population générale est considérée comme comme du cheptel. Il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes étaient considérées, excuse-moi, des fois, c'est le mot anglais qui va me venir, OK? Dans la bouche, mais tu sais, on vit au Québec, hein? Puis au Québec, on est juste à côté des États-Unis. Fait que ça nous arrive souvent, nous, les Québécois, hein, de glisser un mot ou deux en anglais. Parce que, c'est ça, coupez pas les cheveux en quatre parce que je vais utiliser quelques mots anglais. Je sais que c'est pas d'hier que la population cible est considérée comme du cheptel, comme... En fait, tu sais, l'histoire, la fameuse histoire de qu'on descend du singe, c'est pas pour rien. Hein. Tu sais, 1 plus 1, là, additionne 1 plus 1. Tu sais, supposément qu'on descendrait du singe. Pourquoi? Ben parce qu'on veut traiter la population générale comme des descendants de singes. Comprends-tu? Ben oui. Puis. C'est ça, mon expérience personnelle, bien que j'ai pas vécu des centaines d'années, il reste que l'histoire de l'humanité. Pour ceux qui veulent vraiment la savoir, puis t'as pas besoin d'étudier tous les détails là, comme un historien. Là. T'es pas obligé d'être un historien toi-même pour comprendre les grandes lignes de l'histoire de l'humanité. Puis t'as pas besoin d'investir
des millions de, je veux dire, des milliers d'heures sur des détails. C'est sûr, c'est le fun, c'est intéressant, les détails. Mais des fois, surtout quand on vit une crise comme on en vit présentement, c'est sûr que les détails, là, on va à l'essentiel, hein? Fait que moi, je vais à l'essentiel en disant que c'est pas nouveau. Et puis, ma vie en témoigne que c'est pas nouveau. Puis ceux qui, si tu recules un petit peu en arrière, ceux qui ont été dans les camps de concentration, c'était pas nouveau pour eux autres non plus, là. Hein? Puis, il y a beaucoup de. Il n'y a pas juste. Il y a beaucoup. Il y a eu beaucoup de Juifs qui ont été touchés, mais pas uniquement les Juifs. Hein? Il y a aussi des Allemands, hein, qui étaient contre qu'est-ce qui se passait, puis qui prenaient position, puis ils ont payé le prix. C'était pas tous des Allemands. Les Allemands n'étaient pas tous pour le régime nazi. Hein? Fait que ce que je suis en train de dire, c'est que l'histoire se répète. Puis c'est toujours la même crise de patate à gosse, excusez l'expression. C'est toujours ce qui se passe. C'est pas d'hier, mais si toi, si on fait pas, tu sais, comme à l'époque, là, pour ceux qui ont pas vraiment considéré qu'est-ce qui est arrivé dans le régime nazi. Parce que c'était pas eux autres. Tu comprends que ça cause un problème à l'humanité, c'est qu'on est tous divisés, alors qu'on devrait. Parce que c'est justement ça, c'est que l'élite nous divise par 56 façons, et puis nous autres, on n'est pas beaucoup. Si on voit pas tellement clair, puis on se divise entre nous autres. Au lieu de voir clair, puis de voir que. Puis là, dites-moi pas là, que ça a commencé là, il y a à peu près un an, là. Non, 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 non. Vraiment pas. Moi, ma mère, on me l'a kidnappée, j'avais 5 ans. Puis c'était. Et regarde, les orphelins du Duplessis, là, si tu veux pas croire mon histoire, les orphelins du Duplessis, là, ça fait pas si longtemps que ça, dans le temps du Duplessis, là. Ça fait, je dirais, dans les années 50, là. C'est pas si loin que ça, là. Hein? Eux autres, ils vont te le dire que c'est pas d'hier qu'on est ciblé, mais ils vont peut-être pas comprendre la situation comme moi. Ils vont peut-être avoir une différente lecture de leur situation. Parce que souvent, les gens, quand sont traumatisés, ils ont tendance à se centrer sur eux-mêmes. Puis c'est normal, c'est un processus de guérison. Mais parfois, en tant que. Là, je ne parle plus des orphelins de Duplessis, je parle des personnes qui ont été traumatisées. Parfois, on n'arrive pas à dépasser notre expérience. On en reste là. Hein? Fait qu'à ce moment-là, on ne considère pas qu'il y a d'autres individus qui vivent différents combats qui est aussi grave que le nôtre. C'est que moi, ça m'agace de voir que on s'imagine que c'est dernièrement que les choses ont commencé à mal aller. C'est pas du tout le cas. Ma mère a été torturée. Et puis, par une bonne institution qui est supportée par le gouvernement. Et ce qui s'est passé pour les orphelins de Duplessis, ben voyons donc, c'est bien sûr, le gouvernement est impliqué, puis royalement, pas à peu près. Hey, c'est pas d'hier, là. Faut se réveiller, là. Puis faut arrêter de. Ah, je sais qu'il y a des gens qui sont égoïstes, mais c'est pas à eux que je m'adresse. Je m'adresse à ceux qui ont gardé, qui ont conservé assez d'empathie. Ah, la race humaine.
Oui, il faut reconnaître que l'élite est un problème. C'est le problème essentiel. Mais le second problème essentiel, c'est que les humains n'apprennent pas de l'histoire de l'humanité, puis que ça se répète constamment. Et puis, il y a beaucoup de poules pas de tête qui se promènent, puis qui disent n'importe quoi, puis qui sont manipulables facilement parce qu'ils n'ont pas assez de recul face à ce qui se passe. Ça fait que, parce que si, faut pas laisser nos émotions nous diriger, parce que ça, c'est ça le problème de l'humanité. C'est qu'on laisse nos émotions nous diriger. Ça doit être le rationnel, la logique qui doit nous diriger. Et ça doit être les faits, hein? Ça doit être l'histoire qui doit nous diriger et par la suite, les émotions suivent. C'est correct d'être émotionnel, mais si tu n'as pas de cadre à tes émotions, c'est désorganisé. Puis ça, c'est l'histoire de l'humanité. Puis les lettres, ils ont du fun. Puis c'est toujours comme ça. Ils ont du fun parce que trop d'entre nous voient pas clair. Ils apprennent pas de leurs erreurs. Ils apprennent pas des erreurs de notre histoire. Et ils apprennent pas aussi que on est dans le même bateau, en réalité. Ça fait que si tu considères pas les autres, c'est comme justement en parlant de camp de concentration, hein, il y a un proverbe qui dit, ben, j'étais pas juif, alors, ben là, c'est sûr, je vais paraphraser, OK? J'avais pas prévu de parler de ça, mais il y a un proverbe qui dit, une personne qui parlait, ben, j'étais pas juif, je me suis pas senti concernée, j'étais pas, je veux dire, j'étais pas un tel, d'un tel groupe, je m'en suis pas, je m'en suis pas concernée. Et puis finalement, ben, on se ramasse tout seul. Et puis, il y a juste soi-même que tu peux compter sur, parce que toutes les fois que tu as eu occasion de prendre position, tu ne l'as pas fait. Fait que là, ben, finalement, ben, tu te ramasses que tu es tout seul, confronté avec toi-même, puis il n'y a personne qui va prendre position pour toi. C'est ça. Alors voilà. En résumé, l'histoire de l'humanité. Parce que, aussi, une autre chose, c'est que nous nous sommes réincarnés plusieurs fois. Ah, je sais qu'il y en a qui ne croient pas à la réincarnation, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Moi, je ne croyais pas à la réincarnation avant. Y a une expression qui dit, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, mais on va s'entendre fous entre guillemets, là, parce que les réels fous, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a qui ont la folie secrète. Hein. Il y a beaucoup de psychiatres qui ont pris position là-dessus, qui ont démontré que la folie est créée. Et je suis bien placée pour en parler. Mais là, je vais m'arrêter ici pour le moment. Parce que là, je suis en train d'ouvrir d'autres sujets. Et puis, c'était pas mon but. Alors voilà, merci pour ton écoute. Et puis, ben, si on veut se réincarner encore, puis on veut rejouer la même game, ben, allons-y! C'est parti, mon kiki!